Coucou mes amours, c'est comment? Désolée, j'ai annoncé depuis plusieurs heures que j'allais être en direct, mais j'étais occupée. J'étais très très occupée, j'étais à la répétition, donc ça a pris plus de temps que prévu. Voilà pourquoi c'est maintenant que je lance le direct. Partagez le direct, donnez-moi des étoiles. On va parler un peu et puis on va parler du challenge Mathieu Tcho, vous dire comment il faut gagner et qui a gagné et quand est-ce qu'on va récompenser les gagnants et tout et tout et tout. Donc partagez le direct, on va parler de toutes ces choses-là. Et puis voilà. Vous allez me poser aussi quelques questions. Je vais vous répondre vite fait. En pas trop durer. Hein, voilà, un direct de. Si c'est trop, c'est 30 minutes. Donc, on va faire un truc vite fait. Voilà. Ceux qui veulent me poser des questions, rapidement, posez-moi des questions. Je vais répondre à quelques questions, pas toutes les questions. Ça dépendra des questions que je vais voir. Et puis, je vais vous parler aussi du challenge Mathieu Tcho. Voilà. Vous dire ceux qui ont gagné déjà. Et quand est-ce que ces personnes seront récompensées? Et voilà. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je vais avoir de la chance. Marianne, tu es magnifique, merci. Partagez le direct. Partagez le direct. Vous attendez les waves et les oranges monnaies. C'est ça. Lily, le bébé. Tu veux wave? La folie. Partagez le direct. Quand est-ce que tu viendras au Burkina Faso, Gaspard? Alors, pour le Burkina, voilà, j'attends juste l'invitation. L'invitation et que les conditions soient réunies. Voilà, tranquillement, je viendrai sans problème. Le Burkina, c'est mon deuxième pays de cœur. Hein. Chaque fois que j'ai été au Burkina, j'ai été toujours bien accueilli. J'ai des amis là-bas, hein, des amis artistes. Voilà. J'ai beaucoup d'amis au Burkina. Je me sens bien quand je suis au Burkina. Donc j'attends juste les invitations avec les conditions bien réunies. Je viendrai avec plaisir. Tata, tu as l'air jeune. Mais je suis jeune, non? Je suis une jeune tata. Posez-moi des questions. Lumière dit, je suis magnifique. Merci beaucoup, Lumière. Mettez les étoiles, hein. Mettez les étoiles. Le direct est lancé. Mettez les étoiles. Aristote, il dit, tu n'as rien à faire, mais tant mieux. J'ai rien à faire, mais toi, tu es occupé. Qu'est-ce que tu fais dans les commentaires? Moi, j'ai rien à faire. Je suis en direct. Toi, tu es occupé là. Qu'est-ce que tu fais dans le direct? On peut être joli comme ça. Merci beaucoup, Flo Flo. Merci beaucoup. Voilà. C'est la joie de vivre qui me rend toujours fraîche, toujours jeune. Tata Vivi, tu es belle. Alicia, merci beaucoup. Moi, ma préoccupation est que tu ne réponds jamais aux commentaires. Il ne faut pas gâter mon nom. Je n'ai même pas vu le nom de la personne. Qui dit que je ne réponds pas aux commentaires? Je réponds quand je peux. Vous aussi, je n'ai pas dormi ce téléphone-là. Si j'étends ce téléphone-là, c'est à quel moment je vais aller au studio, à quel moment je vais travailler, à quel moment je vais réfléchir, à quel moment je vais trouver de belles chansons pour faire plaisir, à quel moment je vais relever les défis. Ah, je ne peux pas être 24 sur 24 sur le téléphone, en train de regarder qui a répondu. Lui, il a dit quoi ici? Non, mais il y a des jours où on n'a rien à faire et on fait un tour, voilà, sur nos différents réseaux et puis on regarde les commentaires, on répond à quelques-uns. Voilà, et puis voilà quoi. Où on fait des vidéos comme celui que je suis en train de faire actuellement là. Et des vidéos comme ça, et puis on répond en grosso modo. Voilà. Attends, je vais bloquer. Il y a quelqu'un que je vais bloquer ici. Je pense qu'il y a un trou de cul ici dans le direct que je vais bloquer. Ton feat avec Fior, c'est le meilleur. Merci beaucoup. Roxane dit, tu es sublime. Aujourd'hui, je veux dépôt aussi. J'ai compris, Roxane.
Tata, tu me plais trop. Je t'aime depuis. Oh, c'est passé. Merci beaucoup, ma chérie. Attendez, je vais me connecter ici. Je vais bloquer un tour de cul. Ok, Adam a dit, j'ai une question spéciale. Ok, Adam, pose ta question. J'espère que je vais la voir. Tu es très belle, la reine du coupé décalé. Merci beaucoup. La patronne du coupé décalé, ma chérie. La reine mère, la patronne, la mama, la madre. Il n'y a rien, bébé. Il n'y a rien en face. C'est quoi ça? On a bataillé dur pour être là. Et puis, on est toujours là. Et on va maintenir cette place-là, cette position-là. Avec vous. Voilà. Vous et moi, on forme une famille. Et vous et moi, on est encore plus fort qu'on est ensemble. C'est de ça qu'il s'agit. Posez-moi des questions, hein. Posez des questions. On est à 400, hein. 2 jours après, on se met en direct là. Vous êtes là, c'est quand vous êtes né dépôt, vous montez. Ah. On a la même nation, il a fait un dépôt, mais vous n'encouragez pas, hein. Attendez, attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais me mettre sur le direct, en fait. Big up à mon gnou Marco Versace. Je t'envoie un clin d'œil comme ça. Ah, papa n'a framponnage. Attends, il y a une énergumène dans le direct là. Attends, celui que je veux attraper pour. Est-ce que c'est lui? Gaspard le chouchouté qui demande si je suis en relation avec le bailli. Depuis, ça fait un moment que j'ai pas été en contact téléphonique. Ni physique avec elle. Voilà. Sinon, qu'il n'y a pas de problème. Hein. Nguessan qui demande si je suis baoulé doux. Alors, je suis un gros mélange. Je viens du Boiflay côté maternel et Kounaïri côté paternel. Côté maternel, je suis Gouro, Yaoulé et Baoulé. Voilà. Un peu de Yamoussoukro en moi, un peu de Boiflay en moi. Tu vois, non, c'est le grand centre là. Donc. Wilson Quadio qui dit je vais apparaître dans un de tes clips. Alors Wilson, chaque fois qu'on fait on fait passer des informations pour dire on cherche des figurants pour les tournages, t'es où? Il y a eu des clips ici où j'ai demandé des personnes pour figurer dans des clips. Hein? Dans l'un de mes clips, on t'a pas vu, hein? Au Kanamazakai, bougez les reins. Je pense que c'est à partir d'ici que j'ai cliqué. Parce que j'arrive pas à voir tout ici. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. J'ai bloqué l'énergumène qui essayait de nous infecter. Ok. Partagez le direct, mes amours. Je vais mettre un peu de musique. Moi-même qui veux répondre aux questions, même, même les questions là, même, ça passe tellement vite. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Alors, Audrey qui me demande si je suis mariée légalement. Pas encore, mais ça ne saurait tarder. Audrey, ça ne saurait tarder. Dieu fera. La mère du coupé décalé. Côté femme, tu gères. Oui, il n'y a rien, bébé. Je gère sans sueur. J'aime quand tu es sans maquillage comme ça. Ça s'est passé. Hein. Stéphanie Lombard, merci. Alors, on va écouter le Mathioto et puis on va parler un peu. On va parler un peu. On va parler un peu des choses sérieuses. Le Mathioto. Qu'est-ce que j'ai fait? Pardon, je vais me dire. Pardonnez. Musique qui joue là, c'est bon. Si Facebook a enregistré ça, attendez, je vais. Voilà. Ok, je vais connecter le téléphone. Ok. Voilà. Partagez le direct, mes amours. Voilà.
je vais répondre la chanson. Le macho que pour vous. Okanamanzakai, Meshikomcho. J'ai un peu mal à la gorge, désolé famille, il vient de la répétition. Hein? On est un peu blessé un peu dans la gorge. Mais comme j'ai prévu faire le direct, c'est pourquoi je le fais. Suprême, le suprême, le suprême. Merci pour les 100 étoiles. Oh, le suprême, tiens, d'ailleurs, faut envoyer 1000 étoiles toi aussi. Papa René, faut envoyer 1000 étoiles. Ah, comment 100 étoiles? Envoie-moi 1000 étoiles, papa René. Papa René, envoie-moi 1000 étoiles. C'est rien pour toi, 100 là c'est petit. Marco Versace, envoie-moi 1000 étoiles. Envoie-moi des étoiles. Ça me donne plus de force. La jouissance des étoiles, le goût de ça. Tu as demandé, tu as douté quoi. Prisca, Priscilla, 75 étoiles. Merci beaucoup ma chérie. Papa René, le suprême, envoie-moi 1000 étoiles. Marco Versace, le framponneur, envoie-moi 1000 étoiles. Pour envoyer les étoiles, vous prenez le direct. J'ai diminué la musique. Voilà. Pour envoyer les étoiles, vous prenez le direct. Vous regardez en dessous du direct là. Ils ont mis commenter, partager, envoyer. Voilà. Ils ont dessiné une étoile là.
Vous cliquez sur l'étoile là, ça va sortir 75, 100, 200, 500, 1000. Il y a même 5000, 10 000 étoiles. Voilà, vous cliquez dessus, vous envoyez à Vital, vous soutenez Vital. Donc, le suprême, le trois fois suprême, papa René, envoie-moi 1000 étoiles. Voilà, tu es trop fort, très très fort. 100 étoiles, c'est petit pour toi, toi aussi, toi aussi. Fais parler ton doigté, là, là, faut cliquer sur 1000 étoiles. Marco Versace, toi aussi, Marco Versace. Prends ton doigt comme ça, ton doigt magique, clique sur 1000. Laure Léon, envoie 75 étoiles. Kounon Juliette, 75 étoiles. Wouh, bougez la bâtiment. Levette de Love, 75 étoiles, merci beaucoup. Envoyez-moi les étoiles. Eh, vite, tu as mal à gauche, t'as pas pété. T'as venu chanter encore. Gonesi, on n'écrit pas 1000 étoiles, hein. Gonesi, tu prends le direct comme ça. Mariano, merci pour les 75 étoiles. Tu prends le direct comme ça. Tu regardes en bas du direct là. Où tu commentes là. Sandrine, 75 étoiles, merci. Où on commente là, en bas du direct là. Ils ont mis un dessin d'étoiles. Il faut cliquer dessus. Tu vas voir 75, 100, 200, 500. Il y a beaucoup de montants qui vont s'afficher. Il faut cliquer sur 100, 200, 300, 75, 500, 1000 étoiles, 5000, 10 000. Voilà. Tu cliques sur un montant. Marco Versace, tu ne vois pas les étoiles? Si, attends, je te montre. Marco Versace, attends, je te montre. Quand tu prends le direct comme ça, attendez, je coupe le son ici. Tu vois Marco? Comment je... Attends, je sors du direct là. Tu vois Marco, regarde le téléphone. Tu vois, non, voici le direct qui est là. Tu montes comme ça, en bas ici là. En bas là, tu vois, il y a un dessin d'étoiles qu'elle a mis envoyé. Il y a un dessin de toi qui est là. Tu cliques sur ça, comme ça. Quand tu cliques, ça sort comme ça. Envoyer des étoiles à Vital. Tu vois les montants qui sont sortis là. Il y a 99, 310, 500 et quelques. Il y en a plusieurs. Et tu cliques sur un pour envoyer à Vital. Tu cliques sur 1000, tu envoies à Vital. Pour soutenir Vital. Ginette Kouakou, donc en dessous du direct. En dessous du direct, là, vous ont dessiné étoile, vous ont mis envoyer là. C'est ça que vous appuyez. Et puis les montants vont s'afficher. Les montants vont s'afficher. Vous cliquez sur 200, 400, 500, 1000, 2000. Il y a un an de 5000, il y a 10 000. Vous envoyez pour donner la force à Vital. Pour soutenir Vital. Voilà. Donc, le suprême, envoie les étoiles. Envoie les étoiles. Je n'ai pas demandé dessin d'étoiles. Le suprême m'a envoyé 50. Non, cherche encore. Il y a 5000 en bas. Il y a 1000 en bas. Ça va, bébé? Ça va? Les enfants du quartier. Envoyez-moi plus d'étoiles, mes amours. Voilà. Kouakou Nadège, merci pour les étoiles. 75 étoiles. Donnez-moi les 200, les 500. Le suprême envoie encore 50. Et le suprême, on s'en va un peu, on va à 1000. Le suprême, papa René, le 3 fois suprême. Voilà, il a envoyé encore. Marco, regarde bien. Envoie-moi 1000 étoiles. Mes vitamines, donnez-moi beaucoup d'étoiles ce soir. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force parce que ce que je vous prépare deux jours là, vraiment. Je vous ai dit, je suis au studio en train de préparer l'album. Préparer un album, ce n'est pas facile. Préparer un album, ce n'est pas facile. Je suis en train de préparer un album, soit de 13 titres ou de 16 titres. Entre 13 et 16 titres, selon mon inspiration, selon aussi les entrées financières. Voilà, on va vous sortir un album consistant. Donc, je travaille beaucoup entre le cours de chant, entre les studios, entre le tournage de clips. Entre aussi la promo du Mathieu qui est sorti. Parce que le Mathieu qui est en train de monter, là, nous sommes bientôt à 300 000 vues en moins de deux semaines. En moins de deux semaines, on est à 300 000 vues bientôt. C'est-à-dire que là, nous sommes à 200 et quelques. On monte bientôt à 300 000 vues et on va monter à 500. Et Inch'Allah, on croise les doigts. Cette fois, je pense qu'on va atteindre le million de vues le plus tôt. Donc, Fatima, merci pour les 75 étoiles. Envoyez-moi plus d'étoiles. Plus d'étoiles. Mireille Niaï, elle dit, j'arrive pas à envoyer. Si, regarde en bas du direct. Regarde en bas du direct. Ils ont mis commenter, partager, envoyer là. Ils ont dessiné étoiles. Ils ont mis envoyer étoile à Vital, un truc comme ça. Il faut cliquer sur étoile là. Tu cliques sur le dessin étoile là. Quand tu cliques là, ils vont sortir des montants.
75, 50, 100, 200, 300, 400, 500. Tu cliques et puis maintenant tu envoies le montant que tu désires à Vital. Voilà, pour me donner la force. C'est ça. C'est pas les émoticônes, mais c'est pas emoji étoile. Non, 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 non. C'est en bas où ils ont écrit partager, liker, envoyer. C'est là ils ont mis les étoiles. Donc vous cliquez sur ça et vous m'envoyez. En attendant, on écoute. Alors, Marco Versace, j'attends tes étoiles. On va framponner. On va framponner tout à l'heure. Framponnement, framponner, framponner, framponner. Papa René, le trois fois suprême, il n'y a rien. Il n'y a rien même. Papa René, trois fois suprême. Envoie-moi mes 1 000 étoiles. Envoie-moi mes 1 000 étoiles. Attendez, je vais mettre le framponnement de Marco Versace. Je suis quoi? Je suis YouTube. YouTube, YouTube, c'est sur YouTube. Envoyez-moi des étoiles. Nous sommes à 2150 étoiles. Le super m'envoie encore 50. Oh, Adja Kanefor, envoyez 200 étoiles. Ouh, merci, Adja. Adja Kanefor, 200 étoiles. Voilà, le super m'envoie les 200. 50, 50, 50, 50, c'est petit, 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 petit. Envoie 200, 500. Adja Kane, merci, bisous là-bas. Le suprême, Marco, 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 envoie-moi 1 000 étoiles. Regarde en bas du direct là, c'est là. Je vais jouer le framponnement. J'espère que j'ai la connexion ici. J'augmente. Le suprême envoie 1 000 étoiles. Papa René, papa René, papa René, le trois fois suprême. Suprême une fois, suprême deux fois, suprême trois fois. Il envoie 1 000 étoiles. Ouh! Oh, je suis gâtée ce soir. Merci, papa René. Papa René, envoie encore. Marco Versace, j'attends tes 1 000 étoiles. Marco Versace, oui, merci le suprême. Merci, t'es un amour. Marco Versace, le framponneur, attends, je joue ta chanson. Tu m'envoies mes 1 000 étoiles. Voilà. Attends que je regarde iPhone. iPhone. Est-ce que mon téléphone est connecté au Bluetooth? Oui, je suis connecté au Bluetooth du véhicule. Envoyez-moi les. Merci beaucoup, le super. Je suis contente comme ça. Là. Ça fait une gnangnang. Ah, envoyez-moi les 1 000 étoiles, les 2 000 étoiles, les 5 000 étoiles, les 10 000 étoiles, mes amours. J'ai besoin de force. J'ai besoin de force. Les étoiles, la Facebook me donne ça en argent. Vous voyez, non? Donc voilà, soutenez-moi pour que je puisse entrer en studio, faire de belles chansons. Les studios coûtent cher aujourd'hui. Aujourd'hui, on te parle de 1 million, 1 million 5 pour te faire une chanson. Ça demande trop d'argent. Le guitariste va venir. 100 000, 50 000 souvent, ça demande trop d'argent. Les chœurs vont venir. 50 000, 50 000. Calculez un peu tout ça. Quand tu sors du studio, tu as laissé 3 millions là-bas. Vous voyez, tu as laissé 3 millions là-bas. Tu sors de là maintenant, tu vas répéter avec tes danseurs. Hein? Chaque danseur par répétition, 5 000 francs de transport, chaque danseur. Ça, c'est chaque jour. Un danseur a 5 000 francs comme transport pour la répétition. Et regardez mes danseurs, j'en ai eu qu'à 12. 12, 5 000 fois 12, chaque fois on va répéter. Maintenant, il y a le chorégraphe. Si le chorégraphe n'est pas là, moi-même, je monte mes ballets. Vous voyez un peu ce que ça fait, l'énergie qu'il faut dégager, tout ça. On finit ça maintenant, il faut voir le réalisateur du tournage. Tu vas payer 2 millions, 3 millions pour le clip, 5 millions même souvent. Tu te retrouves finalement à 10 millions entre le studio, les répétitions et le tournage du clip. Quand tu finis tout ça maintenant, tu mets le produit sur le marché, les télévisions. Il y a des télévisions qui nous font payer aujourd'hui, fait passer nos clips. Il y a des télévisions, tu payes pour qu'on diffuse ton clip. À des télés aussi qui science, qui prennent nos clips et qui font passer gratuitement pour donner la force aux artistes. À des radios aussi, tu payes pour qu'on joue ta chanson. Il y a des radios aussi qui jouent gentiment, gratuitement ta chanson pour te donner de la force, pour te booster. Il y a tout ça. Maintenant, quand tu finis toute cette étape-là encore, il y a la promo terrain. Il faut sortir, aller dans les boîtes de nuit, les maquis, les nightclubs, tous les espaces ouverts. Il faut tourner avec la chanson. Il faut faire ci. Il faut donner un peu au DJ. Il faut donner un peu au manager pour tourner un peu. Ouh là là, 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 ouh là là. Quand je cite, mais j'ai mal à la tête. Quand je parle de tout ça, mais j'ai mal à la tête. Waouh, le showbiz, c'est pas une petite affaire. Le showbiz, c'est pas une petite affaire. C'est pas une mince affaire, le showbiz. Je vous le dis en vérité, en toute franchise. La musique, si tu n'as pas le moral et un mental d'acier, si tu n'es pas patient, si tu n'as pas
comment je vais dire ça? De la motivation. Si tu n'as pas de l'inspiration, si tu n'as pas l'amour pour la musique, ah non, tu peux pas. Non, 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 tu peux pas. Tu peux pas. Parce que nous sommes tous des enfants de familles modestes. Réunis des millions comme ça, pour, juste pour une chanson, hein, juste pour un seul projet. Et là, tu n'es pas en featuring. Hein. Si tu es en featuring, mais là, on n'en parle pas. Il y a des featuring qui te demandent de l'argent. Ah ouais. Il y a des featuring qui te demandent des millions pour chanter. Il y a des featuring qui te demandent juste le carburant. Le support m'envoie encore sans étoile. Oulala, 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 oulala. Merci, merci, merci infiniment, papa René. Merci, merci. Il y a des featuring qui te demandent rien, qui font avec le cœur, gratos. Et quand tu finis tout ça, tu finis tout ce remue-ménage-là. Et en retour, tu reçois des injures, des moqueries sur la toile. Ça fait mal. Ça blesse. Ça blesse, ça fait mal. Vous voyez souvent, quand vous nous insultez sur les réseaux sociaux, il y a des fois on ne répond pas. Mais il y a des fois quand c'est plus fort que nous, on regarde, on cible, on prend une personne et puis on répond. À part la musique, à part le showbiz, à part le chapeau, le titre de star, là, nous sommes des êtres humains comme vous. On respire comme vous. On a les mêmes sentiments, on a les mêmes sensations. On reçoit les mêmes chocs. Nous sommes pareils. Nous sommes pareils. Mireille Amano, merci pour les 100 étoiles. Merci ma chérie. Merci, merci. Oulala, oulala, je suis gâtée ce soir. Marco Versace, j'attends tes 1000 étoiles. Je n'ai pas encore vu. Il faut regarder encore. Je ne sais pas, mais regarde ton téléphone. Le direct en bas, là, il y a dessiné étoile. Ils ont mis envoyer et puis ils ont mis étoile devant. Il faut aussi étoile là. Vous comprenez, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Quand tu finis tout ce tralala, tes économies, tu as réuni jusqu'à... Tu as pu faire une chanson. Tu as fait le clip. Tu fais jouer ça sur quelques radios. Tu réussis à tourner un peu dans les maquillés bars, boîtes de nuit, pour qu'on joue ta chanson, pour que les gens entendent, pour que les gens comprennent que tu as sorti une nouvelle chanson, que tu es là, tu es sur le terrain. C'est pas facile. C'est pas facile. Vous comprenez? Donc, quand on finit tout ça là, on a besoin d'encouragement. Si vous n'aimez pas la chanson qu'on vous offre, si vous n'aimez pas le produit, le projet qu'on vous offre, il y a une manière de le dire. Ah, Vivi, c'est vrai. On sait que tu as fourni assez d'efforts pour nous sortir cette chanson-là. Mais c'est pas ce qu'on attend de toi. On aimerait que tu nous fasses une chanson comme ce que tu avais fait ici, à telle période, à telle époque, à telle. Mais ça vient, ça met. Oh, c'est quelle chanson nulle ça. Oh, tu ne sais pas chanter. Oh, tu ne vaux rien. Oh, c'est nul. Oh, bah, 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 ça rit. Ça fait mal. Ça blesse. Ça blesse. Mettez-vous à notre place. Mettons même le titre d'artiste à côté. Dans votre domaine d'activité. Imaginez votre supérieur ou vos collègues vous disent vous êtes nul à chier. Mais vous ne foutez rien. Mais vous ne valez rien. Mais vous, c'est quel travail vous faites là? Kadi, Kadi, merci pour les 100 étoiles. Oulala, 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 oulala. Ce soir, je suis trop contente de recevoir ces étoiles là. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur. Oulala. Ah, merci beaucoup. Merci Kadi. Merci beaucoup, Kadi Kadi. Mettez-vous à notre place. Vous faites un travail pour lequel vous donnez à fond. Vous ne dormez même pas. Vous ne dormez presque pas. Vous réfléchissez comment demain, le travail qu'on vous a confié, vous allez bien le fournir, bien le livrer, bien le faire. Vous travaillez, vous venez au travail et vous vous mettez à travailler, vous bossez dessus. Et puis votre collègue ou quelqu'un même qui maîtrise même pas le travail que vous faites, quelqu'un mais qui n'a rien à voir avec votre domaine d'activité, vient et puis vous crie comme ça au visage en public. Tu vaux rien. Tu es nul. Tu es bête. Tu n'es pas intelligent. Ça fait mal. Ça fait très très mal. Et pour les personnes qui ne sont pas fortes, d'autres même peuvent aller même. D'autres peuvent mettre fin à leur vie. Hein. D'autres peuvent mettre fin à leur vie. D'autres peuvent se donner la mort juste pour ça. Il y a des gens qui ne supportent pas l'humiliation. Il y a des gens qui n'ont pas la force pour supporter ça. L'humiliation,
les injures publiques, la honte publique, il y a des gens qui ne peuvent pas supporter ça. Mais moi, je vais vous dire ce soir, quand tu aimes un boulot et tu le fais, crois en ton boulot là. Donne-toi à fond. Ferme tes oreilles sur les injures. Ouvre tes yeux et ton cœur et ton cerveau sur les critiques, comment je vais dire, les bonnes critiques en fait. Parce qu'il y a des gens qui savent parler. Il y a des gens qui ont de bonnes critiques constructives. Des critiques qui peuvent t'amener à travailler plus. Des critiques qui peuvent t'amener à donner le meilleur de toi dans le travail que tu fais. Des critiques qui vont te donner plus d'inspiration, de motivation. Et non des critiques qui vont te faire descendre. Des critiques qui vont te faire regretter le travail que tu fais. Des critiques qui vont te faire regretter ton existence sur terre. Fermez vos oreilles sur ça. C'est un travail de faire. Si c'est le commerce de fruits que vous avez décidé de faire, peut-être que ta voisine d'à côté, elle, ses fruits-là vont marcher, pour toi, ne marche pas. Ne dis pas que non, pour elle marche, pour moi ne marche pas, donc j'arrête et elle fait autre chose. Si c'est ce que ton cœur veut que tu fasses comme travail. Parce qu'avant de faire un travail, il faut que tu aies l'amour de ça d'abord. Oui, oui, oui. Ah, moi en tout cas, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de gérer une cabine. Ouais, ça m'étonne parce que quand je fais mes calculs, quand je réfléchis, quand j'analyse, quand je vais gérer ma cabine, voilà comment je vais gérer ma vie, voilà comment je vais faire mon planning, voilà comment je vais gérer mes dépenses, voilà, pour ne pas me retrouver à la mendicité, pour ne pas te réduire à la mendicité et tout ça. C'est ton choix. Tu as décidé de faire tel ou tel métier. Dans la vie, là, il y a des fausses personnes et il y a des bonnes personnes. Il y a des méchantes personnes et il y a des gentilles personnes. Donc, ce n'est pas parce qu'une personne a été méchante et mauvaise avec toi que tu vas prendre son cas pour une généralité. Tu vas dire que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais. Non, c'est une grosse erreur. Une personne, deux personnes, trois personnes, quatre, cinq, etc. vont te faire du mal, vont te faire du sale, vont te faire du méchant, méchant, vont te faire du nerveux, vont te faire mal au cœur, vont te blesser. Tu vas prendre du recul, tu vas réfléchir et tu vas commencer à être méfiant. Tu vas être parano. Ça, c'est le mot de mon chéri, ça. Il dit, je suis parano. Hein? Tu vas être parano. Tu vas sur tes gardes et tu vas avoir peur de tout le monde. Tu vas te méfier de tout le monde. Tu vas craindre tout le monde. Tu vas te dire, si je m'approche de telle personne, peut-être que je vais vivre encore ce même choc, ce martyr-là encore. C'est vrai. Si tu as été blessé à plusieurs reprises, c'est normal que tu sois méfiant ou méfiante. C'est normal. Mais la vie est faite ainsi. La vie est faite ainsi. On est obligé de marcher ensemble. Seul, tu peux aller loin. C'est vrai. Mais Marco dit, il y a beaucoup de... Marco dit quoi? Hey! Attendez, je coupe le son. C'est quoi ça? Voilà. Marco dit, il y a beaucoup de manières de mendier. On va en penchant. Oh, Marco, arrête tes trucs là. Je suis concentré, tu vas me déconcentrer. Il y a beaucoup de manières de ramper. Ah, mon cher, dans la vie là, on dit chacun s'assoit, Dieu le pousse. Donc, toi, la manière de ramper qui t'arrange là, mon cher, choisis et puis rampe. Voilà. Ah, pour ton commentaire, attendez. Donc, on va poursuivre ce que je disais. Donc, en gros, je suis en train de vous dire que quand vous faites un métier, croyez en ça, donnez-vous à fond et puis concentrez-vous sur ça, soyez focus sur ça. Nos objectifs sont très loin. Nos objectifs sont très loin. Donc, pour arriver à atteindre ça, c'est le travail. C'est le travail, le travail, le travail. C'est des nuits blanches souvent. C'est des larmes, c'est des pleurs. C'est la tristesse. C'est s'enfermer dans la maison, rester seul un moment. C'est prier, beaucoup prier. C'est jeûner. Oui, jeûner aussi.
Moi, les jeûnes secs, c'est-à-dire que où on enchaîne un jour, deux jours, trois jours, ça, là, j'ai pas encore testé, mais un jour, deux jours, oui. Mais un jour, deux jours, trois jours ensemble. Tu peux faire les jeûnes matin, tu coupes le soir à 18h, comme voilà. Des concentrations, des conseils. Quand ça va pas trop, si tu as ta maman auprès de toi, Dieu merci. Si tu as ton papa auprès de toi, Dieu merci. Tu peux leur demander conseil. C'est des gens qui ont vécu, qui connaissent beaucoup de la vie, qui peuvent te donner ces conseils-là. Si tes deux parents sont partis comme les miens, si tu n'as plus maman, tu n'as plus papa, tu te retrouves seul, tu as besoin de conseiller. Dieu merci, on n'est pas seul sur la terre. On a des tontons, on a des personnes qui sont proches de nous, des personnes qui nous ont toujours tendu la main qu'on a eue. On a eu besoin d'eux, des personnes qui nous ont toujours soutenus, des personnes sages, des personnes qui peuvent jouer le rôle de papa et maman dans notre vie. Ces personnes-là aussi, quand vous avez mal, vous pouvez les appeler, vous demander conseil. Ces personnes-là peuvent vous guider, peuvent vous situer, peuvent vous guider, peuvent vous apporter des idées, peuvent vous motiver, vous inspirer et tout. Donc la vie, on ne lâche rien. Dans la vie, on ne lâche rien. On ne lâche rien. Dans tout ce que vous entreprenez, ne baissez pas la garde. Des gens vont venir vous décourager. Ah, suivez mon exemple. Suivez mon exemple. Vous connaissez un peu mon histoire. Je n'ai pas besoin de vous dire, de vous raconter des paroles comme ça. Moi-même, je vis ça. Moi-même, je vis plus que ça. Je vis pire que ça. J'ai traversé trop de choses. Papa et maman ne sont même pas là. J'ai perdu mes deux parents depuis. Il y a longtemps que je suis. Il y a longtemps que je me cherche en fait. Il y a longtemps que je me bats seul. Il y a longtemps que je lutte seul pour jeûner debout. Prendre soin de mes frères et sœurs. Et Dieu merci. Dieu a mis des personnes sur mon chemin qui me donnent des coups de main par-ci, par-là. Des personnes qui me soutiennent moralement, physiquement, financièrement. Croyez en vos rêves. Croyez en ce que vous faites. Et puis ne soyez pas envieux. Ne soyez pas envieux. Ça là, c'est pas bon. C'est l'envie là même qui gâte tout. Contentez-vous de ce que vous gagnez. Ne soyez pas aussi gourmand ni gourmande. Faites avec ce que vous avez. Faites avec le moyen de bord. Sinon, personne n'a envie de rester derrière. Personne n'a envie de rester derrière. Tout le monde veut aller devant et puis on va tous y arriver. Mais c'est étape par étape. On va un peu, un peu, un peu, un peu. C'est vrai, certains diront, mais est-ce que tu sais quand tu vas mourir? Est-ce que tu sais quand tu vas partir? C'est vrai, on ne sait pas. On n'est pas le maître de notre vie. C'est pourquoi il faut fléchir, genoux, il faut prier. Pour que Dieu nous donne longue vie. C'est ça. Il y a des gens qui ont fait des projets, malheureusement. Ces projets n'ont plus eu lieu d'être. Ces personnes sont parties. Très tôt. Malheureusement. Malheureusement. Donc, il faut beaucoup prier. Demander à Dieu de donner une longue vie. L'esprit de discernement. La force de surmonter les étapes les plus dures de la vie. Parce que à chaque étape de notre vie, on va devoir affronter beaucoup de difficultés, beaucoup de choses. Chaque fois que tu grimpes, chaque fois que tu grandis, chaque fois que tu montes, tu vas croiser quelque chose devant qui va te mettre un peu dans le doute, qui va te fatiguer, te déranger un peu, mais ne te laisse pas avoir. Ne faut pas laisser le diable avoir le dessus sur toi. Faut pas laisser tes ennemis aussi avoir le dessus sur toi. Surtout les ennemis. Faut jamais laisser ton ennemi avoir le dessus sur toi. Travaille. Donne-toi tous les moyens. Moi, souvent, je suis malade. Mais vous savez pas. Souvent, je suis malade, vous savez pas. Mais vous allez me voir en train de travailler. Dire, hey, Vivi, c'est là, prends la drogue ou bien. Il y a pas les choses, tu sais, dis, prends pas. Drogue, mais je connais pas même. Odeur de drogue, mais je connais pas. Et ça, beaucoup de personnes disent ça. Vital. Vital, c'est là, prends drogue.
Je ne connais pas. Au-delà, mais les gens parlent de ça. Au-delà, même, je ne connais pas. Moi, avant de monter sur scène, je bois de l'eau. Je ne peux pas boire avant de monter sur scène. Je veux voir clair dans ce que je fais sur scène là. Donc, quand vous me voyez sur scène, je suis comme ça. C'est l'inspiration. Avant de partir travailler, je répète. Je me mets en jambe. Donc, quand j'arrive là, je suis comme ça. Il y a de l'énergie en moi. Je suis fraîche. Je veux monter. Je fais le show. Tu as répété. Donc, quand tu répètes, tout est clair. Donc, tu fais ton show tranquillement. Sans problème. Maintenant, ceux qui sont en face, qui ne connaissent pas, ils regardent, ils les prennent là-dedans. Ce n'est pas possible. Elle peut faire des choses comme ça. Regarde ceux qui jugent mes tenues là. Ceux qui jugent mes tenues vestimentaires. Vous savez, le monde là. On est venu se chercher. Chacun dans son chacun est venu se chercher. D'autres ont choisi la prostitution. D'autres ont choisi d'aller manger caca. D'autres ont choisi le maraboutage. D'autres ont choisi le fétichisme. D'autres ont choisi d'être bien, d'être, comment je vais dire ça, tranquille, voilà, faire les choses dans les normes. Moi, j'ai choisi d'être sexy. Parce que j'aime, je me sens bien quand je suis sexy. Mais je suis sexy où et comment? Je ne m'habille pas au hasard. Attends, vous apprenez à me connaître quand même. Ça fait combien de temps on est ensemble? Même si vous ne vivez pas avec moi, même si vous ne me fréquentez pas, sur la toile, vous me voyez? Vous voyez mes vidéos de prestations? Vous voyez? Est-ce que j'ai le même style de vêtements, les mêmes tenues dans tous mes shows? Non, arrêtez ça. À un moment donné, il faut arrêter. Arrêtez de juger les gens comme ça. Arrêtez de juger. Chaque fois, c'est vous. Ouh, c'est qu'elle habite là. Ouh, son cul est dehors. Ouh, et son enfant. Oh! Mon enfant là, il est très intelligent et vous le savez très bien. Mon fils là, il sait ce qu'on appelle showbiz, être artiste, être une star, et puis être maman. Ils connaissent la maman que je suis. Ils connaissent la maman que je suis là. J'ai plusieurs casquettes. Je suis la fiancée, je suis la maman, je suis la grande sœur, je suis la tata des enfants, je suis un modèle pour beaucoup de personnes, je suis une artiste. Je suis une artiste classe. Je suis une artiste immature. Je suis une artiste aussi mature. Je suis une artiste sexy. Je suis une artiste ultra sexy. J'ai plusieurs casquettes. Et je fais aussi de l'humour. Je suis aussi actrice. Vous comprenez? Je m'adapte à tout. Là où on me dépose, je pousse. C'est deux mains qui se lavent. Je ne vais pas me contenter seulement que de musique. J'essaie de toucher un peu à tout. Et puis je réunis les blablabla. Je mets tout ensemble. Et puis vous me voyez dehors, dans grosse voiture. Vous me voyez si bien habillée. Je porte humain, j'ai 1000 couleurs. J'ai toutes les catégories de mèches humaines. J'ai ci, j'ai ça. Je prends avion, première classe, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Vous ne connaissez pas le travail, j'ai fait là. C'est tout ça là. Tu vas chanter, tu vas danser. Tu vas finir là. Tu vas aller faire humour. Tu vas aller tourner. J'ai tourné des films qui ne sont pas encore sortis. Vous avez vu déjà la série Ma famille, ma grande famille avec maman qui s'est détaillée. Vous avez vu un peu, non? Mais à part ça, j'ai d'autres films qui vont sortir bientôt. Je tourne. Je ne peux pas parler de ça parce qu'on a signé des contrats. Quand ça va sortir un jour, vous avez dit, hé, c'est ma vitale qu'elle a. C'est pas tout, on dit. On travaille. Donc c'est ça. Je voulais partager ça avec vous ce soir. Je voulais vous parler un peu, donner un petit conseil, vous partager un peu mon savoir, mon vécu, ce que je sais un peu de la vie. Parce que je n'ai pas encore fini, on continue de vivre. Ouais. Tant qu'on vit, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent. Hein. Donc soyons préparés à affronter les autres choses qui nous attendent, les autres épreuves de la vie qui nous attendent devant. C'est ça. Hein? Oui, ultra sexy, actrice, comédienne, présentatrice, tout. Comprenez un peu. Oui, mais la vie là, on dit la vie, dans la vie, il faut se battre. C'est ça. Il faut se battre dans la vie. Quand on dit il faut se battre dans la vie, c'est de ça qu'on parle en fait. Il faut travailler dur. Souvent dans les conditions
compliquées, des conditions, mais laisse tomber, des conditions difficiles. Mais quand tu as l'amour du travail que tu es en train de faire là, tu ne sens pas la douleur de ça. Aujourd'hui, quand je vois les danseurs, pas tous les danseurs, mais il y a des danseurs que je vois qui sont là, souvent ils viennent répéter. Tu leur donnes souvent transport, 3 000, ils gonflent les narines. Souvent tu donnes 5 000 transports, ils gonflent les narines. Tu dois aller prester avec eux. Et tu dois toujours coudre habit pour eux le jour que tu n'as pas les moyens pour coudre les tenues. Mais tu n'as pas eu le temps. Et ils vont s'habiller comme des clochards pour te suivre parce qu'ils ne veulent pas fournir des efforts. Moi, quand je le regarde, ça me fait rire. Nous, quand on travaillait avec Mewé et Maman Aïcha Koné, vous pensez que quoi même? Quand nous, on travaillait avec Mewé et Aïcha Koné, c'est nous-mêmes notre gérer, on prend pour se coiffer. C'est nous-mêmes notre gérer, on prend pour aller à la répétition. Qui va nous donner le transport? C'est toi-même. Et puis, entre midi et deux, quand tu es en train de répéter, la répétition, c'est du matin jusqu'au soir, hein, 18h. Entre midi et deux, là, toi-même, tu vas prendre ton argent pour aller payer la nourriture pour manger. Tu veux travailler, mais tu vas travailler. Tu veux travailler, non? Donc, tu vas accepter. Tu vas subir. Ce sont des épreuves. Ce sont des tests. On appelle ça des tests. Ce n'est pas que nos patrons ou notre patronne, Maman Aïcha Koné, ne veut pas donner un transport. Non, 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 non. Mais c'est des tests. C'est pour voir vraiment si tu as l'amour du travail que tu es en train de faire. Et si tu aimes l'artiste avec qui tu travailles. Parce qu'il y a ça aussi. Hein. Les danseurs, là. Avant de venir danser avec un artiste, ne regarde pas que parce que l'artiste tourne beaucoup ou mais parce que l'artiste paye bien que tu t'as. Non, 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 non. Il faut que toi-même, tu aimes l'artiste d'abord. L'artiste avec qui tu veux travailler, tu veux danser, là. Que ce soit le manager, que ce soit le danseur, que ce soit le chargé de communication, en fait, toute l'équipe, tout le staff d'un artiste là. Je m'adresse à vous maintenant. Quand vous voulez travailler avec un artiste, ne regardez pas le côté argent, mais le côté elle est connue, le côté si mais elle a y avoir non, ou bien elle paye bien. D'abord là, ayez l'amour pour cet artiste là. C'est que soyez prêt à aller sur tous les fronts avec cet artiste là. Quand l'artiste va prendre le coup, là, encaisser ça ensemble, sois prêt pour ça. Il faut dire, moi, Vital, je suis trop fan d'elle. J'aime sa musique, j'aime son style, j'aime sa façon de chanter. De toute façon, les gens disent qu'elle a la voix cassée ou mais la voix comme ça. Là. Moi, c'est ça que j'aime. Moi, je vais travailler Vital. Quand vous venez avec un esprit comme ça, là, automatiquement, c'est pas, il y a une connexion. Ça fait que l'artiste et toi, vous devenez complices. Et puis, le travail passe crème avec toi. Le travail passe crème avec toi. Vous voyez souvent des artistes qui sont un peu en complicité avec leurs danseurs. Pas tous les danseurs, il y a un ou il y a une qui est beaucoup proche de son artiste qui ne peut pas s'en passer. C'est-à-dire que quel soit le gombo qu'il va faire, même s'il n'y a pas les autres danseurs, mais le danseur là seul est toujours là. Il y a des artistes qui ont des danseurs et des danseuses comme ça. C'est ça. À la base, ces danseurs ou ces danseuses là ont de l'amour spécial, de l'amour vrai pour cet artiste. Ils aiment l'artiste. La personne de l'artiste, là. Ils aiment la personne. Ils aiment le travail de l'artiste. Ils aiment la voix de l'artiste. Tout ce que l'artiste fait, là, ils aiment ça. Donc, eux sont prêts à batailler avec cet artiste-là. Ils sont prêts à marcher, à travailler avec cet artiste. Eux sont prêts à aller sur tous les fronts de cet artiste-là. Donc, souvent, mais ils viennent bosser à toi, là. Avec ou sans cacher, eux, ils ont toujours le sourire aux lèvres. Avec ou sans cacher, ils ne vont jamais te faire une scène parce qu'aujourd'hui, le spectacle, le promoteur a fui l'argent, ou bien il a donné une partie, il n'a pas donné le reste, il a gagné temps, ou bien on est parti, il y a eu un problème, ils ont annulé le spectacle, l'artiste n'est pas trop en forme financièrement, l'artiste nous donne juste des transports pour rentrer, les danseurs vont gonfler les narines, ils vont se rebeller, ils vont commencer à crier dans tous les sens, aller faire les posts sur Facebook pour salir l'artiste. Non, ils ne sont pas comme ça. Ils viennent vers l'artiste parce qu'ils aiment déjà l'artiste. Donc, quel que soit ce qui va arriver, ils prennent tout. Merci, boss. Et puis, ils sont à la maison. Toi, l'artiste, là, quand demain pour toi fait bim, tu mousses d'une manière, là, ce danseur-là, il n'y a pas un service qui va te demander que tu ne peux pas donner. Mais aujourd'hui, la majorité des danseurs et danseuses, c'est des paresseuses, c'est des paresseux. Et ils viennent juste chercher l'argent. D'autres viennent chez garçon derrière l'artiste. C'est-à-dire qu'il y a un suicide là qui va être dans le gombo, là, chez mon boss là-bas. Ou même chez ma go là-bas. Mais ils viennent juste pour ça. Même pour avoir un homme chez les petites go au quartier. C'est pas comme ça on travaille dans la ville. Quand tu fais un travail, fais-le avec le cœur. C'est ça. C'est ça. C'est comme ça. J'ai pas tout vous dit aujourd'hui.
Il y a trop de choses à dire. Je n'ai pas tout vous dit aujourd'hui. Je vais donner tous mes secrets, vous aussi. Vous aussi. Alors, bref. On m'a parlé du challenge Makyoko. Alors, j'ai relancé le challenge Makyoko. Voilà. Et j'ai mis en légende que, voilà, chaque lundi, on va récompenser la meilleure vidéo. Donc, on a commencé la semaine passée là. Et chaque lundi, on va récompenser la meilleure vidéo. C'est-à-dire que la vidéo, tu auras plus de vues, plus de partages, plus de likes. Voilà. Et comme j'avais dit, la meilleure vidéo aura 50 000 francs. C'est ce que j'ai dit. Donc, on a commencé la semaine passée. En temps normal, c'est hier lundi, je devais récompenser la meilleure vidéo. Mais on a regardé, il y a beaucoup, beaucoup de belles vidéos. Alors, je vais encore repousser la date, comment je vais dire, le jour pour vous montrer la meilleure vidéo, en fait, faire le choix, voilà, de la meilleure vidéo, la vidéo qui a eu plus de likes, de partages et autres. Donc, je donne la chance encore à ces personnes-là, donne la chance encore à toutes les vidéos qui ont été publiées à monter les likes, à monter les vues. Donc, on va aller à 2 semaines au lieu de chaque une semaine. Voilà. Donc, dans quelques jours, là, on a fini une semaine. Aujourd'hui est mardi. Donc, on va dire lundi qui vient là. Dimanche, on va mettre la vidéo de la personne qui aura remporté les 50 000 francs pour ce premier concours challenge là. Ce premier challenge là, autant pour moi. Voilà. Donc, le lundi qui vient, on va mettre la vidéo de la personne. Parce que j'ai reçu les vidéos, mais on n'a pas les noms. Quand on reçoit plusieurs vidéos, on prend que les vidéos et puis on publie. Les noms, les numéros de téléphone, on n'a pas. Donc, la personne qui va gagner, qui va accumuler plus de likes, de partages et de choses, de commentaires et autres, on va mettre ta vidéo. Voilà, avec le nombre de likes que tu as eu, on va mettre ça sur la page. Et tu vas venir commenter, tu vas venir nous dire si c'est toi et tu nous donnes ton numéro. Mais on va vérifier aussi en même temps que toi, tu nous donnes ton numéro Orange Money ou Wave. Et puis voilà, tu vas recevoir tes 50 000 francs. Et automatiquement, on relance encore le challenge pour les nouvelles vidéos. Parce qu'actuellement, on a beaucoup, beaucoup de vidéos. Beaucoup, beaucoup de vidéos. Et voilà. Donc, demain, je vais ajouter encore quelques vidéos à ces vidéos qui sont déjà là. On ne sait jamais. On peut mettre ta vidéo aujourd'hui. Et puis tu peux avoir plus de likes que tout le monde. Oui, il y a des chances comme ça. Hein. On peut même mettre ta vidéo même la veille même de la proclamation des résultats. Et puis c'est toi qui as le plus de likes. Ça arrive aussi. Donc, mes amours, les filles comme les garçons, les hommes comme les femmes, voilà. Donnez-vous à fond dans les challenges là. Oui, amusez-vous. Ne soyez pas trop. Ouais, non. Amusez-vous, dégamez. C'est le Makyoko. C'est une chanson de dégamage. C'est pas une chanson. Hein? Voilà, c'est une chanson pour s'amuser. Donc faites les challenges, les vidéos là. Amusez-vous. C'est-à-dire que mettez-vous à l'aise. Faites de belles vidéos. Voilà. Et puis vous nous faites venir ça par WhatsApp au 05 06 17 16 80. 05 06 17 16 80. Faites-nous parvenir vos vidéos challenge Makyoko par WhatsApp. Voilà, on va les publier à partir de demain. Ce soir, ça va. Voilà, j'ai pris trop de temps pour le direct. J'avais prévu 30 minutes, mais là, j'ai dépassé. Voilà, on va les publier demain. Et puis voilà, jusqu'à dimanche pour la proclamation de résultats. Lundi, la personne va recevoir ses 50 000 francs. Sur ce, voilà, j'ai pu abuser de votre temps. Merci beaucoup. Je vous envoie des gros bisous, des ondes positives. Passez une très très belle nuit. Et puis, à ciao, ciao, on est ensemble.